Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle recette. Je vous montre comment je fais le poulet KFC, le fameux poulet KFC. C'est une recette très simple, facile et surtout très rapide. C'est pas compliqué. Donc, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour bénéficier de toutes mes petites astuces. Donc pour commencer, on aura besoin de poulet. Moi j'ai ici du blanc de poulet, j'ai environ 800 grammes. On aura besoin des chips de maïs. On aura besoin de farine. On aura besoin de lait, du lait ou de l'eau, hein, tout simplement. On aura besoin de 2 œufs. Et on aura également besoin des épices pour l'assaisonnement. Donc là, on a du sel, de la moutarde, on a du poivre, on a de l'ail en poudre, du curry, du paprika et du gingembre. Donc on va commencer par casser nos œufs, nos 2 œufs dans un petit saladier. Et ensuite, j'ai ajouté juste la moitié du lait. Je vais verser maintenant, disons, les 3 quarts de mes épices, des différentes épices que je vous ai montrées avant là. Je vais utiliser l'autre moitié bien après. Donc, j'utilise juste les 3 quarts en fait. Donc, je verse tout ça dans le lait et les œufs et je vais venir battre pour rendre le mélange homogène. Donc, après avoir battu, je vais venir prendre mon saladier avec le blanc de poulet et je vais verser le mélange dans le poulet. Et je vais venir tout simplement mélanger. Je mélange pour bien, du moins pour bien imprégner le poulet dans les œufs et les épices. Et je vais laisser reposer pendant environ 30 minutes. Si vous pouvez laisser beaucoup plus, c'est tant mieux. Ensuite, je vais venir prendre mes chips de maïs que je vais venir écraser. Si vous n'avez pas les chips de maïs, vous pouvez utiliser les cornflakes. Donc, après avoir concassé mes chips de maïs, je mets dans un plat et ensuite j'ajoute la farine. Je verse également le reste de mes épices que j'ai laissé avant là. Je ne mets pas le sel parce que les chips de maïs sont déjà salés. Donc si je mets encore du sel, ça risque d'être un peu trop. Donc 30 minutes sont passées, je reprends mon poulet et maintenant je vais venir paner. Donc je prends un morceau de poulet que je passe dans ma chapelure, si je peux appeler ça comme ça, et j'essaye un peu du moins de recouvrir la chapelure, de recouvrir la viande de chapelure. Donc je tourne autant que je peux, je tapote si nécessaire, et voilà quoi. Donc après ça, c'est la première partie. Maintenant, je vais tremper de nouveau dans les œufs et les épices là. Donc, j'ajoute le reste de lait que j'avais laissé au début. Maintenant, la panure que j'ai faite, je vais remettre dans mon liquide et je vais reproduire le processus quoi. Donc, je mets dans le liquide et je remets dans la panure. Donc je fais comme ça jusqu'à l'épuisement total de mes poulets. Donc voici ce que j'ai obtenu. J'ai obtenu pratiquement 2 plats. Et à la fin, ça c'est du poulet. La panure était déjà finie. La chapelure était déjà finie. Donc j'ai juste mis de la farine. Hein. Donc ensuite, je vais mettre ma casserole au feu dans laquelle j'ajoute de l'huile.
Et quand l'huile est chaude, je vais venir tout simplement mettre mes poulets quoi, dans l'huile. Et je n'oublie pas de tourner pour faire griller l'autre partie également. Donc, quand c'est déjà doré, quand ça prend une dorure, j'enlève tout simplement de la casserole et c'est prêt pour être c'est prêt à être servi quoi. Je vous assure les amis, c'est un délice hein. Donc voici le résultat. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. Regardez comment je casse, regardez comment c'est croustillant. Et le poulet à l'intérieur, c'est juste un délice. Donc, je vous recommande de reproduire la recette chez vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mettez-moi un pouce en l'air si vous avez aimé. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à regarder l'une des deux vidéos qui s'affichent là. Moi, je vous dis ciao!